T'en fais pas, petite, je les tiens fermement entre mes lèvres, j'ai l'habitude. Est-ce que les clous ont un goût quelconque? Je veux dire, est-ce que c'est sucré ou salé? Vous me direz ça plus tard, quand vous serez moins crispé par votre travail. Je dois rentrer à la maison, j'avais promis de ne pas m'attarder. Est-ce que ton doigt te fait mal? Ah, te voilà enfin, mon enfant, nous t'attendions, dépêche-toi de t'asseoir. Qu'y a-t-il à manger? Des huîtres. Madame, regardez. Regardez. Que vous arrive-t-il? Les huîtres ont disparu. Oh, ça c'est une chance. Comment? Des huîtres qui disparaissent? Ne t'énerve pas, on va très vite trouver une explication. Moi qui aime tellement les huîtres, depuis ce matin j'en ai l'eau à la bouche. Tu vas les avoir, tes huîtres, elles sont sûrement quelque part à la cuisine. Non, elles n'y sont pas, c'est sûrement quelqu'un qui les a volées. C'est ma faute, j'aurais dû mieux les surveiller. Mais non, madame Spiceham, ne prenez pas cela au tragique. Cette fois, j'ai eu de la chance. Oh, je déteste les huîtres. Elles sont écœurantes. Ne pleurez pas et faites-nous des œufs. Et puis, les huîtres, ça n'a aucun goût. Et en plus, elles sont gluantes et d'une couleur triste. J'entends qu'on pleure. Puis-je faire quelque chose pour toi? Non, personne ne peut m'aider. Tout cela est tellement triste que je dois pleurer. Tu as raison. Maman dit toujours qu'il vaut mieux pleurer quand on est triste. Ça soulage, assure-t-elle. Ah oui? Mais ce qui soulage le plus, c'est de pouvoir confier la raison de sa peine à quelqu'un. Si tu veux, tu peux m'expliquer pourquoi tu pleures. Oui, volontiers. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas en parler, cela me brise le cœur. Ces pauvres petites me font tellement pitié. Oh. Nous faisons vraiment pitié. Vous êtes des huîtres, j'ai toujours cru que vous étiez en pierre. Tu ne nous aimes pas? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'aime pas vous manger parce que vous êtes gluante. Allez. Excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Tu ne nous vexes pas? Nous savons que beaucoup de gens refusent de nous manger. Est-ce pour cette raison que vous êtes si triste? Cela vous chagrine qu'on ne veuille pas de vous? Non, cela nous est bien égal, mais nous avons un grave problème à résoudre. Je t'en prie, ne raconte pas cette histoire encore une fois, je ne le supporterai pas. Il vaut mieux qu'on s'éloigne, sinon tu vas encore te noyer. Si tu veux à nouveau te confier à quelqu'un, je suis volontiers à ta disposition. Fais-moi signe. Nous, les huîtres, sommes en grand danger. Nuit après nuit, plusieurs de nos amis disparaissent de l'océan. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où elles vont et où on les cache. Ma meilleure amie, elle aussi, a disparu. Une si belle huître de classe. C'est sûrement quelqu'un qui l'a mangée goulûment. Oh, quelle pensée horrible! Mes parents, la maison, mangent souvent des huîtres. Moi, je n'aime pas ça. Ça suffit! Oh oui, tais-toi! Oh, je vais me trouver mal. Pour ça, je vous comprends, j'ai aussi des haut-le-cœur quand il y a des huîtres. Oh, Alice! Ces humains! Peut-être a-t-elle raison. Oh, voilà ce que tu as gagné. Oh, je suis désolée, je ne savais pas que tu étais aussi sensible. Allons, reviens à toi, ouvre les yeux. Avance! Oh. Allez, avance! Cela me brise le cœur de voir une jeune personne en pleurs. Oh, je ne pleure pas, ce sont les huîtres qui pleurent. Ah oui? Non, merci, je ne mange pas d'huîtres. Oh, vous faites une erreur. Nous ne sommes pas ici pour manger des huîtres.
Ces dames huîtres se plaignent car un méchant voleur vient prendre plusieurs d'entre elles toutes les nuits. Bien entendu, noble jeune fille. Moi, chevalier Don Fernando, je me mets à votre entière disposition. Allons au village. Peut-être savent-ils quelque chose. Trottinant, suis cette jeune fille. Quelle histoire. Balance, s'il vous plaît. Elle est lourde. Voilà. En avant, trottinant. Je suis plus qu'honoré d'avoir l'occasion d'être à vos côtés, noble et chante jeune fille. Fait froid. Un endroit très peu accueillant. Nous sommes arrivés chez nous. Tu peux nous poser. Bienvenue au village des huîtres. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cet endroit froid et où il y a du brouillard pour y établir vos quartiers. Ce sont nos ancêtres qui ont fait ce choix. Pourquoi ont-elles préféré ce coin déshérité? Nous ne le savons pas. Quand on les questionnait à ce sujet, elles se refermaient comme des huîtres devant le danger. Vous êtes drôle quand vous le voulez. Si ça te fait rire, tant mieux. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Faites attention, les amis. Nous avons emmené des visiteurs avec nous. Des gens très gentils. Soyez les bienvenus! Tu dois être très connue ici si tu as tellement d'amis dans ce village. Nous étions bien plus nombreuses avant qu'on envole. Ne recommence pas à pleurer. L'odeur de poisson est vraiment insupportable. Dans une telle puanteur, je ne peux pas faire un geste pour vous aider. Moi, je vous aiderai. Si Don Fernando veut se dérober, libre à vous. Je jure sur mon honneur de chevalier que durant toute ma vie, je ne me suis jamais dérobé. Où sommes-nous? Je n'en ai aucune idée, je ne suis jamais venue ici. Tends bien les oreilles, Benny Bunny. Tout ce que je peux entendre, c'est de la musique et des martèlements. Moi aussi, j'entends très bien. Quoi qu'il arrive, je reste avec vous, prompt à vous secourir. Souvent, je me demande si Don Fernando est vraiment aussi courageux qu'il le dit. Il parle beaucoup et ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous venez fricoter par ici? Dites-nous immédiatement pourquoi vous tournicotez dans le coin. En entendant de la musique, nous nous sommes approchés pour avoir un renseignement. C'est facile à dire. Pour ma part, je suis certain que vous êtes venus parce que vous voulez nous espionner. En réalité, vous êtes ici pour fureter. A-t-on idée d'être aussi inhospitalier et grossier? C'est ça, partez et ne venez plus fourrer votre nez dans les affaires des autres. Soyez tranquille, je n'ai pas envie de fréquenter des gens tels que vous. Et en outre, faites attention, car vous pourriez avaler des clous qui vous étoufferaient. Alors, racontez-moi ce que vous avez vu. Je n'ai rien vu. J'ai rencontré un morse et un charpentier qui étaient deux malpolis. J'espère que vous ne les avez pas vexés. Oh non, mais j'ai une curieuse impression. Pour moi, ces deux lances avaient beaucoup plus long qu'ils ne voulaient le dire. Et du reste, pourquoi nous ont-ils fait décamper? Pourquoi n'ont-ils même pas voulu écouter les questions que je désirais leur poser? Je trouve leur attitude très troublante. C'est tout. Nous n'avons pas pu en savoir davantage. Chaque nuit, quelqu'un vient voler des huîtres dans la mer. Les huîtres qui restent ont tellement de chagrin à cause de ces disparitions qu'elles pleurent tout le temps. Tant mieux. Les huîtres pleureuses font des perles ternes sans aucune valeur. Et connais-tu le responsable de ce forfait? Hélas non, toute la question est là. Crois-tu qu'il vole ces huîtres pour les déguster en cachette? Qui pourrait avaler des huîtres en telle quantité? Et pourtant, j'en connais plus d'un qui pense seulement à baffre égoulement du matin jusqu'au soir. Je salue tout le monde. À vous, c'est toi qui as pris les huîtres. Où les as-tu cachées? Mais voyons, je n'ai pas du tout mangé des huîtres. Je les trouve gluantes et écœurantes. Les huîtres, moi, non. Votre Majesté, je partage votre opinion sur les huîtres. Je n'en mange pas. Moi, je ne peux pas les avaler. Le jour de notre repas de mariage, on m'a servi des huîtres. Ah, ce fut la dernière fois que je pus goûter à ces mollusques. Depuis cet événement, je n'en ai plus touché une seule. En les avalant, j'ai eu la tremblote, la chair de poule et des frissons dans l'estomac. T'en souviens-tu, ma toute belle? Oui, j'avais cru que tu étais troublée par l'émotion d'un moment romantique. J'ordonne que le roi soit mis aux arrêts.
Ça lui donnera le temps de penser à moi avec émotion. Mais il paraît qu'il y a des huîtres, je les aime à la folie. Qu'on enferme également le joker avec lui. Ils pourront ainsi discuter tranquillement de la chair de poule du roi le jour de notre mariage. Hein? Joker, tu es arrêté. Votre majesté, j'ai une proposition à vous faire. Propose. Nous avons besoin de toutes nos têtes si nous voulons trouver la solution de notre problème. Les têtes ne servent à rien. Elles ne me plaisent que quand elles roulent. Pourquoi dites-vous ça? Au pays des merveilles, on n'a jamais décapité qui que ce soit, vous le savez. Tu ne peux pas savoir à quel point j'envie mes ancêtres qui, eux, pouvaient encore le faire. Oh, mais c'est toujours la même chose. Et alors, qui va? Quand va-t-on enfin aller dans le parc pour jouer au croquet? Aujourd'hui, il n'y aura pas de partie de croquet. Il y a plus important à faire. Ça ne fait rien, alors. Nous jouerons demain. C'est moi qui dirige les débats. Oui. De quel débat s'agit-il? J'ai cru qu'on était invité à une partie de croquet. Ce serait très ennuyeux. Vous êtes deux égoïstes. Vous ne pouvez penser qu'à votre plaisir personnel et à rien d'autre. Je trouve ça très normal. Si nous n'y pensons pas, qui pensera pour nous? Je vous en prie, écoutez-moi. Un voleur mystérieux vole toutes les huîtres la nuit. C'est ce voleur que nous devons essayer de découvrir. Qui que ce soit, il faut reconnaître qu'il est très malin. Dans ces conditions, on peut déjà décharger Little Bill de tout soupçon. Il est idiot. Il est vraisemblable qu'il n'agisse pas seul. Pour un forfait aussi répréhensible, on se sert très souvent d'un complice. Tweedledee a comme complice Tweedledum. Je pense plutôt à quelqu'un qui a les ongles crochus. Par exemple, un chat qui s'exerce sur les souris. Quoi? Cela pourrait être aussi quelqu'un à qui le commerce fait perpétuellement tourner la tête. Alors là, tu accuses nettement le chapelier. Non, je ne le soupçonne pas. Peut-être bien que c'est l'aigle. Non. Et la fausse tourtortue. Sûrement pas. Alice, puis-je te faire remarquer en passant que je suis sur mon trône et que je commence à avoir des fourmis dans les jambes? Oui, Majesté, j'ai bientôt terminé. Il reste encore un cas à examiner. De moi? Oh, mais non. Récapitulons la liste des suspects. Moi, j'accuse les jumeaux Dee et Dum de ce forfait. As-tu des preuves? Hélas, non. Dans ce cas-là, j'accuse le chapelier de lièvre de Mars. Benny Bunny, il faudra des preuves. Moi, j'accuse le morse et le charpentier. Oui, c'est vrai, ce sont les deux seuls qui n'ont pas osé venir ici. Judicieuse remarque, car ils étaient invités. Oui. Si j'avais mauvaise conscience et que je sois invitée à comparaître devant un tribunal, je n'irais pas. Mes yeux se dessillent, j'ai accusé à tort. Essayons de rassembler ce que nous savons. Ils ont fait de la musique tout en frappant des coups de marteau. Savais-tu cela quand tu m'as demandé de convoquer cette assemblée? Non, votre majesté, c'est quand j'ai vu vos sujets ici présents que j'ai compris qu'ils étaient tous innocents et que les coupables étaient ailleurs. Je déclare que cette session du tribunal est close. Les coupables devront être jetés en prison pour le reste de leur jour. Non, votre majesté, nous n'avons pas encore pu les faire avouer et nous manquons de preuves. Nous devrions nous en procurer, mais je ne sais pas comment on peut faire. Le mieux, ce serait certainement de les prendre sur le fait. Oh, Benny Bunny, tu crois peut-être que c'est aussi facile que tu dis? Bonjour, Chenille Bleue. Aujourd'hui, je n'accorde aucune audience. Oh, je sais, mais il faut que tu viennes à mon secours. Benny Bunny et moi, nous devons rapetisser à peu près de cette taille-là, de la taille d'une huître. Nous devons réussir à surprendre le morse et le charpentier. Et avec votre taille actuelle, vous ne pourriez pas le faire. Si nous étions plus petits, nous pourrions nous cacher plus facilement. Dire que récemment, vous vous moquiez de ma petite taille. Enfin, si ça vous amuse, mangez un morceau de champignon. Très bien, reste ainsi. Aïe. C'est surprenant. Ça fonctionne même avec Benny Bunny. Il me plaît avec cette taille-là, le petit lapin. Et n'oublie pas d'en prendre un morceau en réserve si tu veux changer de taille. Bien sûr. Ce ne sont pas les gens les plus grands qui accomplissent les plus grandes choses. Bien souvent, les petits réussissent mieux. Songe à cela et souviens-t'en. J'espère que tu ne te moqueras plus jamais de la taille des insectes. Ouais. Et surtout, ne va pas brader le secret de mon champignon en le racontant à n'importe qui. Sois muette et renfermée, aussi fermée qu'une huître devant le danger. Souviens que le dicton trop parler nuit.
Ce joli petit bateau de nuages vous conduira à l'endroit que vous désirez atteindre. Je te remercie de tout cœur pour ton aide. La chenille bleue était aujourd'hui étonnamment amicale, tu ne trouves pas? L'ennui, ce sont ces longs discours ennuyeux qu'on doit subir. Tu as raison, trop parler nuit. C'est pourquoi il vaut mieux savoir se taire et se renfermer comme une huître. Enfermé? Benny Bunny, c'est dans les huîtres fermées qu'on trouve le plus souvent les perles. Que veux-tu que je fasse avec des perles? Les petits lapins n'en portent pas. Mais tu oublies que les perles sont des bijoux. Peut-être que le morse et le charpentier sont intéressés par la valeur des perles. Je suis certain que vous êtes venu parce que vous vouliez nous espionner. Ils ont un secret et je crois que nous avons deviné de quoi il s'agit. Tu as bien de la chance et je te félicite. Moi, je ne suis pas plus avancée. Je me demande bien qui peut arriver à avaler toutes ces huîtres. Imbécile, ils ne prennent pas les huîtres pour les manger, mais pour les perles. Ah, on est arrivé. Maintenant, ça devient dangereux. Oh, quel endroit inhospitalier. Ils construisent des petites cabanes. Que peuvent-ils bien faire avec toutes ces petites cabanes? Suffit pour aujourd'hui, Morse, j'ai terminé. Oh, tu as fait du bon travail. Je suis très content de toi, mon cher. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller chercher de nouvelles locataires. J'ai que j'ai envie de dormir debout. Ces petites maisons sont faites. Le charpentier fait son métier. Viens vite voir, Ali. Tu sais que ça me rappelle les cabanes à lapins que j'ai connues. Moi aussi, mais ici, pourquoi les fenêtres sont-elles solidement grillagées? Oh, voilà la réponse, ce ne sont pas des cabanes ordinaires, ce sont des prisons. Il me semble que cela donne raison à mes intuitions. Si les deux filous gardent les huîtres prisonnières, ce n'est sûrement pas pour les déguster. On nous a raconté des histoires. On nous a promis de jolies petites maisons huîtrières. C'est une histoire épouvantable. On nous a affirmé qu'une fois installés dans ces maisons, nous serions hors d'atteinte de tous les pêcheurs du monde. Une situation idéale, quoi. Et en plus, on nous a expliqué que nous serions protégés de tous les dangers, que nous pourrions vivre heureuses et tranquilles sans souci. Et ces maisons, vous les payez avec des perles? C'est terrible, car ils n'en ont jamais assez. Le morse joue du ukulélé toute la journée et toute la nuit pour nous faire travailler. Au lieu de dormir, nous devons fabriquer des perles, encore des perles, toujours des perles. Je ne peux plus voir une perle en pâture. Chacune d'entre vous peut faire ça. Enfin, je veux dire, êtes-vous toutes des huîtres perlières? Bien sûr, il suffit que nous nous appliquions un peu. Un travail ennuyeux, monotone et fatigant, même pour des huîtres. Ah oui. Et toujours des perles rondes. Personne n'en veut des carrés. Je comprends bien que vous n'ayez pas envie de rester ici plus longtemps. Je vais vous aider pour que vous puissiez vous enfuir. Je vais me servir des perles rondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée très précise. Écoutez toutes, quand je dirai maintenant ou jamais, il faudra que vous envoyiez autant de perles que vous pourrez. Je ne comprends pas à quoi ça peut servir, mais pour arriver à sortir d'ici, je ferai n'importe quoi, vous savez. Tu peux compter sur nous. Souvenez-vous, maintenant ou jamais. C'est facile. Réjouissez-vous, mes amis, vous allez avoir vos maisons. Entrez, mes chers amis. Deux huîtres dans chaque maison, vous entendez? Et pourquoi pas une huître par maison? C'est ce qui était convenu. Vous nous avez promis des maisons individuîtres. Pour vos petites perles de rien du tout, croyez-vous mériter un immense château? Vous nous avez menti et trompé. Je ne vais pas me laisser rouler. Vous êtes tombés sur des escrocs. Une seule chose les intéresse, vos perles. Ils vont vous faire travailler au-delà de vos forces. Occupe-toi de tes affaires et pas des nôtres, t'as compris? Partez si vous voulez, vous perdrez vos coquettes maisons. Écoutez ce que vous disent vos amis. Toi, la fille, si tu ne te tais pas, tu vas le regretter, je te le garantis. Sauve-toi, Ali. Oui. Maintenant.
Il a même perdu la clé. Merci. 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 Oh. Oh, merci. Oh, notre fortune s'en va. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Vous allez avoir affaire à moi. S'il y a quelqu'un qui doit s'arrêter, c'est toi, Morte. Je te défie en combat singulier. Prépare-toi. Tu vas expier tes forfaits. Défends-toi, gros lâche. Nous devons te remercier, Alice. Tu nous as rendu la liberté. Tu nous as sauvé la vie. Tu as toute notre reconnaissance. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je l'ai fait volontiers. Je suis heureuse d'avoir pu démasquer le morse et le charpentier. Ils se conduisaient si mal avec vous qu'il fallait en finir. Tiens, Benny, mange ça. Voilà, elle est là. Ne bouge pas. Non, je ne veux pas. Lâchez-moi. Tu es un morse antipathique. T'ai-je fait peur? Je voulais juste te prévenir. Tu dois être très prudente quand tu viens sur notre chantier. Oh, je comprends. Excusez-moi. Il y a des clous qui traînent un peu partout, et si tu t'en rentres un dans le pied, tu te feras Bien, très Benny. Mal. Je n'entrerai pas dans la cabane tant que les grillages n'auront pas été fixés aux fenêtres. On doit mettre des grilles aux fenêtres? Alors c'est parfait, parce que je n'ai pas l'intention de devenir une esclave. Alice! Oui? Nous avons retrouvé les huîtres. Oh, quel dommage, maman. Je préférais avoir un œuf. Non, mon enfant. Aujourd'hui, on mange des huîtres. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un quadrille de homard. À peine est-elle arrivée au Pays des Merveilles qu'elle assiste à la répétition générale d'un bal masqué à la cour royale. On doit y danser le quadrille des homards. Mais personne ne sait comment on exécute une telle danse. C'est ainsi que la bonne organisation de la fête de la reine de cœur semble compromise. L'ambiance n'est pas très bonne car les danseurs engagés pour la distraction des invités sont défaillants. Heureusement, Alice propose de venir en aide à la reine de cœur. Pour cela, elle ouvre le bal avec le sous-chef des homards. Sinon, la fête pourrait être un fiasco. Nous vous donnerons les détails de cette histoire la prochaine fois. Je s'en mêle. Tout soudain les